rêve le plus fou, ben, c'est pas compliqué. Hein. C'est que dès cette année, même si c'est un rêve fou, mais vous demandez un rêve fou, on puisse accrocher une des trois premières places et monter de suite en Ligue 1. De faire comprendre ça aux joueurs, c'est qu'ils ont une vraie identité à défendre, avant tout. Et l'identité, c'est l'identité du Tour FC. Et qui dit Tour FC dit bien sûr Tour et la Touraine en général. Un pari en permanence sur un gamin, quoi. Et voilà, puis le pari de pas trop se tromper non plus, parce que quelque part on les embarque dans un rêve et bon, il faut pas non plus faire n'importe quoi avec ça, quoi. Vous avez toute une série d'équipes qui tous les week-ends vont tout autour dans le département, dans la région. Donc c'est aussi important. Pourquoi ? Parce qu'il faut justement s'appuyer sur l'association et sur le centre de formation pour fournir et pour pourvoir l'équipe première, pour qu'il y ait une logique dans tout ça. Les deux jeux, elles sont basées sur le collectif. Je ne fais pas mon équipe par rapport à un ou deux joueurs qui sont déterminants. Ce n'est pas par rapport à ça. C'est un collectif qui doit, tant sur le plan offensif que défensif, travailler ensemble. Qui nous ressemble, hein, qui a du caractère. On a réussi à construire l'effectif qu'on voulait, surtout en termes de qualité. Le rêve, c'est bien sûr, c'est de remettre le Tour FC à la place où il était dans les années 80, c'est-à-dire la Ligue 1.